Salut à tous et à toutes, c'est Shadow Nightmare et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de notre aventure sur Assassin's Creed Origins et je me suis permis de me rapprocher de notre prochaine mission. J'ai donc lancé la quête qui est donc examiner le temple et on va devoir rentrer dans ce temple pour examiner. Donc ça va être assez simple pour le coup. Enfin, j'espère en tout cas, on va faire la petite vision d'aigle que je n'aime pas du tout comment elle a été faite, mais bon, c'est pas grave. On va se rapprocher donc des triangles oranges pour voir ce qui s'est passé dans ce fameux temple. Donc j'ai juste lancé la quête, c'était pas, voilà, j'étais au pied durant la dernière vidéo. Donc là je me suis permis d'aller carrément parler à la personne, comme ça nous fait gagner un petit peu de temps par rapport à la vidéo, comme ça lance directement le sujet et ça vous évite d'avoir un long dialogue. Donc là c'était la première chose à vérifier, là il y en a une deuxième. Donc ça va être un peu chiant, mais bon, il va falloir faire les quêtes de toute façon, puisque je vous rappelle qu'il nous faut encore au moins deux niveaux, si ma mémoire est bonne, parce que là j'ai pas encore vu les niveaux de Bayek, mais je crois que c'est ça à peu près qu'il nous faut. Je vais refaire un petit coup de vision d'aigle après, sauf si c'était la dernière chose à vérifier, mais ça m'étonne. En effet, je pense qu'il en reste encore au moins une ou deux choses à vérifier. Donc, où est le reste? La chaise, on l'a déjà fait, donc je pense que ça va être en hauteur cette fois. En effet, puisque je voyais qu'il n'y avait plus rien en bas, donc je me suis dit ça va être en hauteur. Alors est-ce que je peux monter sur ces piliers ou pas? Alors pour l'instant, oui. Je vais essayer de monter plus haut. Ok. Ouais, impeccable. J'avais un petit doute, mais ça le fait. Donc là, il y en a un là. Est-ce qu'il y en aurait un deuxième de l'autre côté, juste pour être sûr, pour voir où c'est qu'il faut que je me dirige après. Ok, après c'est sur la statue apparemment. Je pense qu'il nous en reste, il nous reste que ces deux-là. Donc là, j'ai récupéré la lettre, pardon, et on va faire donc le dernier qui est là. Ah bah d'accord, j'ai déjà réussi. Donc je pense que c'était l'objet à trouver en premier, enfin l'objet le plus important à trouver quoi. Et on va descendre directement devant lui, hop, et parler. On passe le dialogue et on va devoir, ok, tuer les bandits retenant le grand prêtre. Ok, donc c'est par là-bas, ça devrait le faire, je pense, largement. Donc j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va nickel. J'espère que la vidéo de dimanche dernier sur Captain Spirit vous aura plu. C'est vraiment un jeu que je suis curieux de voir, enfin je suis curieux de voir ce personnage-là dans le monde de Life is Strange, puisqu'on dirait qu'à la fin, alors là je vous l'avais pas dit totalement durant la vidéo, mais à la fin apparemment il aurait réellement des pouvoirs. Donc ça peut être intéressant de voir ça dans Life is Strange 2 du coup. Alors là il y en a un, je sais plus si on peut faire un double assassinat ou pas, je crois pas. Donc déjà je vais juste faire celui-là. Et puis on va enchaîner directement sur les deux autres, si je retrouve les touches parce que j'ai un peu du mal. Hop là. Alors oui, je vous rappelle qu'on n'a plus qu'une barre de vie tout simplement parce que... bah voilà, je suis mort. Parce que j'ai décidé de porter une arme maudite, sauf qu'une arme maudite, il y a une balance on va dire. C'est que oui, elle est plus puissante, mais elle fait enlever deux barres de points de vie. Donc là, ça va être un peu chiant. Parce que vous avez pu voir qu'il met un one shot, mais salement, je dirais même. Donc je pense que je vais rechanger d'arme et la reprendre après peut-être. Mais là, pour le coup, changer d'arme, parce que c'est tout simplement assez chaud, vu qu'il a le bouclier. Et moi, je suis pas très doué pour éliminer ce contre bouclier. Donc dès que la partie va avoir reprise, voilà. Alors je vais reprendre de la hauteur quand même pour pouvoir en éliminer un facilement. Mais je vais rechanger d'arme, je pense. Donc on va monter là, on va être pas trop mal. Voilà. Ou alors, attendez, je regarde un truc. Si à l'arc, j'en vise un dans la tête. Impeccable. Voilà, on va faire comme ça. Alors lui va être plus chiant, je pense. Allez, deux flèches, la troisième qui passe. Et du coup, je vais faire une attaque aérienne sur lui. Et voilà. Alors, je me suis pris des trucs, je sais pas d'où ça venait, mais je pense que c'était un des gardes en bas, j'espère. Donc là, je passe les dialogues quand c'est pas des cinématiques, hein, parce que voilà. Les quêtes annexes sont intéressantes des fois, mais bon, là, je trouvais pas vraiment l'utilité de le faire. On a une quête juste à côté. On est passé niveau 27, donc plus qu'un niveau pour pouvoir reprendre comme il faut les quêtes principales. Donc on va prendre cette quête-là, hop, on va maintenir pour suivre, parler au tailleur de pierre. J'ai eu peur de la fin de la phrase, mais c'est juste un tailleur de pierre, heureusement. Pendant qu'on y est sur le chemin, là, je vais aller parler à cette dame-là, voir si elle a de la matière première à vendre ou pas. Alors, acheter, clac, 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 oui, elle en a là-haut. J'avais oublié qu'elle, c'était là-haut.
mais c'est pas grave. Hop, et le cuir souple, voilà. Donc là, et on a une fabrication disponible, donc on va la faire directement. C'est donc la santé qui va être augmentée, ça c'est vachement bien. Donc je dis oui, et je crois qu'il y a également... Non, j'ai rien dit, je croyais qu'il y avait un forgeron là, mais non. Je me trompe de ville. Donc on va juste monter là-haut, ça va pas être très compliqué. Donc déjà c'est cool, on a pu augmenter un truc. Alors bien sûr, vous, je vous conseille de chasser, ça vous coûte nettement moins cher et vous pouvez utiliser votre argent à bon escient. Là, pour le coup, c'est juste vraiment parce qu'on est en let's play et que j'ai pas vraiment envie de m'embêter à faire des phases de chasse. Déjà que peut-être que les quêtes annexes, ça vous embête et tout. Donc j'ai vraiment pas envie de faire des phases de chasse ou que ça va être un peu chiant. Même si ça peut être intéressant de voir, mais voilà. Alors, progression d'investigation. Oui, mais il est où le logo? Ah, il est là-bas. Je l'avais pas vu. Donc là, c'est un soldat éliminé, ça ou pas? Je crois bien. Hop, dans le doute, toujours le tuer. Voilà. Alors, j'imagine que c'est là, oui. C'est le viser. Hop là. Lui, on est tranquille. Alors, où c'est qu'il faut aller? À gauche, juste à gauche? Oui. Oh merde, j'avais pas vu qu'il y avait un autre garde en dessous. Ah, puis ces gardes-là, je déteste ces gardes-là. Reviens là, toi. Ah là là, même avec mon arme maudite, ça va être chiant. C'est bon. Ok. Et toi, par contre, toi, tu vas te calmer avec tes flèches, parce que tu crois que je l'ai pas senti, mais je l'ai très bien senti, ta flèche de salaud. Voilà. Vous voyez, l'arme maudite est quand même beaucoup plus puissante, mais il faut réussir à gérer avec le fait que la vie soit quand même 2 barres en moins. C'est quand même, ça peut ne pas paraître énorme. Je suis en train de perdre ma voix totalement. Mais croyez-moi que 2 barres de vie, c'est assez énorme. Surtout que là, bon, on est en difficulté normale, mais si vous la faites plus haute, je pense que ça peut vous faire extrêmement mal. Ok. Ah, c'est bon, j'avais juste ça à faire, je croyais que j'avais vu un deuxième truc. Bon, bah, ok. Alors, 555 mètres, y a-t-il moyen d'ici... Non, bon, bah, ça va être plus rapide d'appeler le cheval et d'y aller directement. Alors, je vais pas l'appeler maintenant parce qu'on a envie, et c'est assez chiant. La ville est assez... assez bordélique, donc si je l'appelle, ça va vraiment être chiant le cheval. Je vais plutôt attendre d'être en bordure de ville pour pouvoir l'appeler parce que sinon on va vraiment s'embêter. Ou alors qu'on va être là-bas. Si je trouve vraiment une zone où c'est un peu plus potable pour le cheval. Voilà, là par exemple, on va l'appeler et ça va être mieux parce que l'autre, voilà, en pleine ville, c'était chiant. Enfin, la sortie de la grotte, c'était vraiment chiant si je l'avais fait. Bien sûr, la manette qui se déconnecte, vous êtes habitué dans mes vidéos à la voir tout le temps se faire déconnecter. Alors ça, pour ceux qui se demandent pourquoi ça se déconnecte autant et tout, c'est tout simplement que ma One est une vieille One. Je l'avais achetée quasiment le jour de sa sortie, donc je pense que c'est à cause de ça. J'ai essayé plusieurs méthodes, par exemple ne pas laisser de téléphone ou de choses ayant une connectivité internet, enfin voilà, des trucs sans fil entre deux. Et ça continue quand même, mais c'est surtout parce que ma One est assez vieille. Et je n'ai pas les moyens ni vraiment l'envie d'en racheter une, donc voilà. Il y a juste à prendre patience quand ça arrive et tout simplement faire comme ça. Ok, on va appeler Senou et on va viser. Ça a l'air d'être à gauche. Ça a l'air d'être là-dessus, non? Là, ok. Donc on va descendre. Alors on va arriver auprès, voilà, et on va descendre. Par contre là-bas, je vois quelque chose. Alors je sais pas si c'est un croco ou pas. On verra bien quand on va s'en rapprocher. Pour l'instant, ça a l'air d'être assez tranquille. Je crois que c'est une tortue. Non, c'est un crocodile. Oh putain, c'est un crocodile. Vu la forme... Au début, je croyais que c'était une tortue, vu de loin, mais non. Pas du tout. Et je crois qu'il me suit. Ou alors, peut-être pas, mais il faut que je fasse gaffe. Ah, voilà. Et... Faut aller où? Là-dessous? Ouais, ça a l'air d'être là-dessous. J'aurais peut-être pas dû plonger si tôt parce que niveau respiration ça va être assez chaud. Hop hop. Je vais essayer quand même de choper le trésor qui est là. Histoire qu'on le prenne vu qu'on est juste à côté. Et on va remonter parce que niveau respiration ça commence à être assez chaud. Et j'avais la possibilité aussi de trouver 2 autres trésors, mais bon tant pis. Alors, faut aller tout là-bas. Ok, bon. Alors par contre j'ai été repéré, je pense que c'est dû au coco, mais c'est pas grave, je vais essayer de rejoindre la terre le plus vite possible. Je pense que c'est le croco. Ah non, c'est les gardes.
que je vois que c'est nous, il est en train de se battre. Bon, je vais pas les tuer ni prendre le bateau parce que vous voyez que c'est sur terre, donc bon, ça sert à rien que je prenne le bateau pour si peu. On va prendre le premier cheval qui vient. Oh, mon Dieu, lui, je pense que c'est un cheval qui a rien demandé au. Il a rien demandé du tout, lui, il était là et merde, le pauvre. Mais bon, je vais t'emmener avec moi et arriver là-bas, tu feras ta life. Et je pense que ça sera bien mieux qu'être aux mains de ces deux soldats, parce que je pense qu'il appartenait aux soldats. Alors, on arrive là-bas. Alors, apparemment, l'endroit est bien gardé. Je sais pas si c'est directement la ville ou si c'est un endroit quand je vais arriver. Là, par exemple, lui, il avait aussi des matières premières. Hein. Quand c'est comme ça, là, ils ont des matières premières. Bon, je vais regarder ce que c'était quand même par curiosité. C'était du bois. Enfin, du cèdre, plus précisément. Alors, on va essayer de viser le bon endroit. Ok. Allez, c'est parti avec mon cheval. Et on va arriver là-bas. Donc, je me rappelle plus vraiment comment ça se passe cette quête-là. Donc là, ça va être totalement du pif. On verra bien comment ça se passe. Donc là, j'imagine que ça doit être le temple. On va descendre et on va aller là. Le temple, l'entrepôt, pardon. Bon, ça a pas l'air d'être là, mais je suis pas très loin. Ah, voilà. Ok, oh merde. Je suis directement tombé en bas. Bon, moi j'ai réussi à faire un assassinat discret, donc ça me permet déjà d'en éliminer un. Hein. Et lui va prendre très cher. Donc là, pareil, ces trucs-là, vous pouvez soit les démolir à coups d'épée comme je viens de faire, soit utiliser une torche si besoin est. Donc je vais attendre qu'il se rapproche. Non, il veut pas se rapprocher, il veut juste faire son salaud. Oh, j'ai réussi à l'éliminer, je pensais pas du tout. Oh là, celle-là, elle a fait mal. Bon. Alors, on va aller visiter là-dedans. Je sais pas du tout s'il y a des soldats ou quoi. J'ai vraiment plus du tout de souvenirs. Bon, l'avantage, c'est que c'est éclairé, donc il y a peut-être des soldats quand même. Il paraît qu'on lui a coupé le bras. Oui, il y a des soldats, je confirme. On va essayer d'éliminer celui-là d'abord. Et le second va suivre. Hop là. Avec ma fameuse flèche. Oh, il y en avait un troisième. Oh, je l'avais pas vu lui. Oh, le petit coquin. C'est bon. Ok. Il y a également pas mal de rats, je sais pas ce qu'ils foutent là. C'est super sympa. Vive l'hygiène. T'as de quoi bouffer et tout, mais il y a quand même les rats qui sont là. Ok, ça. Alors faut investir, j'imagine. Donc je vois les logos. Donc pour l'instant, j'ai pas besoin d'utiliser ma vision d'aigle. Voilà, là par contre, je vais utiliser ce que j'en vois plus. Ok, il y a rien. Ah bah c'est bon, j'ai fini. Alors, 82 mètres, bon ça va, c'est juste à côté. Ah, il y avait une autre entrée, j'aurais peut-être dû prendre celle-là. Oh, quoique, elle a l'air d'être plus longue. Ouais, non, elle est plus longue. Enfin, après, ça dépend par où qu'on est arrivé aussi. Là, pour le coup, je suis arrivé par là-bas, donc... oui, bah merde, j'ai été bête. C'est un peu logique qu'il y avait des soldats qui guettaient l'entrée, mais bon, j'y étais un petit peu bizarrement, mais c'est pas grave. Alors, on va essayer d'aller de l'autre côté. C'est à 30 mètres, donc ça devrait bien se faire. Hop là! Ah, il y a Senou qui a gueulé, je sais pas pourquoi. Il a dû voir quelque chose qu'il fallait pas. Petite cinématique, oui. Voilà le Vlaka qui s'est mêlé de mes affaires. Nous parlions justement de toi. Tu as volé le grain du Fayoum, affamé les gens pour tout l'argent. Tu n'es pas du Fayoum, toi. À ta façon de parler, tu viens à tout perdre. Ce grain doit nourrir les Égyptiens. Pauvre Malakia de la Corbrousse. Mes ordres viennent d'en haut. Si c'est pas moi, quelqu'un d'autre le ferait. C'est les affaires. Les gens paient ce qu'ils doivent ou je leur prends. Ça n'a rien de personnel. Maintenant, je te laisse le choix. Tu me laisses tranquille et tu vis ou tu meurs. D'autres pensaient comme toi. Ils ont tué mon fils. Alors tout est personnel. Sale Nekatiadrette. Ok, ça me va. Alors, par contre, toi, me fonce pas dessus parce que voilà, t'as pris cher. Vive la lame maudite. Et toi, ça doit être pas très long non plus. Ah, à la vache. Là, par contre, tu m'as fait mal. J'aime pas ça. Donc, un petit coup d'arc. Voilà. Merci, l'arc. On va confirmer la mort, bien sûr, parce qu'il est mort pendant le combat. Donc, sa mort n'a pas été confirmée. Voilà. Y a rien d'autre à plier ou quoi que ce soit. Non, pendant que j'y suis. Non. Ok. Donc on a terminé la quête, nourrir le Fayoum, 3000 et quelques quand même, c'est vraiment pas dégueu. Vraiment, vraiment pas dégueu. Alors, où c'est qu'il y a une prochaine quête? Le plus près serait le mieux. Ok, bah pour l'instant, là-bas, il n'y en a pas. Ça va être assez compliqué de trouver une quête. Ah, là-bas, il y en a pas mal.
Niveau 24. Ok, ça me va. Est-ce qu'il y a moyen de me téléporter ou pas? Non, apparemment non. Je vais être obligé d'aller là et ensuite à Dada. Ce n'est pas grave. Donc on va essayer quand même d'arriver à atteindre ce niveau 28 pendant cette vidéo-là parce que si malheureusement on arrive par exemple à la fin du niveau 27 et qu'on commence le niveau 28 dans la prochaine vidéo, je ferai quand même que des quêtes annexes pour la prochaine vidéo. Mais si on atteint le niveau 28 aujourd'hui, on fera des quêtes principales la prochaine fois. On va bien voir comment ça se passe. Parce que là, je suis à peu près à la moitié de la barre d'expérience. Donc ça peut être faisable. Ça dépend si les quêtes sont longues et s'ils sont généreux au niveau de l'exp. C'est surtout ça. Alors, on va appeler le dada. S'il veut bien venir. Bien sûr, la manette qui se déconnecte tout le temps. Voilà. Hop. Non, non, mais bug pas dans le mur. Oh, purée. Viens là. Qu'il est con ce cheval, mais qu'il est con. Ok, bon. 805 mètres. Putain, c'est vraiment loin. Et puis là, j'ai pas le choix. Il n'y a vraiment pas de truc pour se téléporter ou quoi que ce soit. Donc voilà, même si je les ai pas faites, c'est vraiment pas uniquement de ma faute. C'est tout simplement qu'il n'y en a pas sur le chemin. Donc on est obligé d'y aller en cheval. Je vais essayer quand même de faire un chemin plutôt court, histoire d'y arriver le plus vite. Même si, voilà, bon, bah. Avec toute la roche, etc. C'est vraiment un peu le bordel pour y arriver. Mais on va essayer quand même. Oh, ça, je pense que c'est un lieu d'ennemi, non? Même pas. Non. C'était juste un petit camp comme ça. Ok. Donc déjà, j'ai réussi à retrouver la route. Ça, c'est plutôt cool. Et on va se rejoindre. Alors oui, là, je suis obligé. Je regarde pas mes quêtes annexes, tout simplement, parce que les quêtes annexes qui restent, je sais que c'est des quêtes annexes sur une longue durée. Donc par exemple, la promesse de Bayek. Mais sinon, pour le reste, c'est soit une qu'il faut retrouver. Soit l'autre, bah pareil, c'est une quête longue durée. Je sais plus si c'était vraiment quoi, mais c'est une quête qui dure assez longtemps. Enfin, c'est pas qui dure assez longtemps, mais on peut pas la faire en 2 minutes, quoi. C'est vraiment un truc préorganisé. Il y a des ennemis là-dessus, j'imagine, bien sûr. J'allais dire une cage qui se balade comme ça. C'est pas normal. Waouh! Ah ouais, quand même. J'ai rien compris. Là, par contre, pour le coup, vu qu'ils sont à Dada. Je vais enlever l'arme maudite parce que sinon ça va être tout simplement impossible de y arriver. Parce que vous avez vu qu'ils m'ont enchaîné à la flèche, ils sont au moins 3-4, donc ça va être vraiment impossible. Donc on va enlever l'arme maudite, on va mettre une arme pas maudite, vous avez suivi, histoire qu'on puisse avoir un peu plus de chance. Donc déjà je rappelle le dada. En attendant, je vais faire équipement. Clac, clac, clac. Je sais plus si c'était elle normalement l'arme maudite. Oui, c'est elle. Et on va essayer d'en mettre une autre qui est un peu dans le même style, enfin un peu dans le même style, qui est forte aussi. Voilà, donc ça sera elle. Normalement, je devrais plus avoir. Voilà, mes barres de vie sont en train de se remplir et on devrait plus avoir de soucis. Donc je pense que la personne à libérer est là-dedans. Alors on pourrait viser aussi les chevaux. Ah, purée, par contre, lui, il me fait vraiment suer. Allez! Je suis désolé, j'essaie de me concentrer un minimum sur les tirs. Il ne reste plus qu'un. Ah, ils sont en train de me faire vraiment mal. Mais vraiment, vraiment mal. Voilà. Donc déjà, lui, il est éliminé. Je passe avec un arc rapide, histoire d'être plus tranquille. Je crois qu'il y a des soldats qui sont venus m'aider. Ouais, je vois des gars qui sont là-bas, qui sont en train de m'aider. Allez, ok, ça c'est bon. Il y en a où encore? Je crois que ceux-là en sont. Oui. Ça, c'est des ennemis encore. Allez. Voilà. Lui, il est mort. Là aussi, c'est un soldat. Hop, il est mort. Et le dernier là-bas. Ah non, je crois qu'il en reste encore deux. Hop. Et. Ah, il en reste encore un là. Ok. Voilà. Normalement, là, on est plutôt pas mal. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir trop parlé pendant cette séance, mais je voulais vraiment pas faire de boulettes. Hop, on va le porter, on va le mettre à l'arrière de notre cheval. Merci les gars de nous avoir aidés, c'était vraiment cool. Bisous sur vos fronts, et on emmène ça. Enfin, on emmène ça, on emmène le gars avec nous, et on se barre. On peut lui parler en même temps. D'accord, bon, ça servait à rien en fait que je l'emmène sur mon cheval, je pense. Ok, alliance avec le Well, on va maintenir pour suivre et escorter Théodoros, le rebelle à Bacris. Ok, on va juste le suivre. Bon, ça va être une quête un peu chiante, je pense. Mais bon, on n'a pas vraiment le choix, c'était la quête auprès et il faut vraiment gagner de l'exp.
J'espère sincèrement passer le niveau 28 là. Alors pourquoi je veux pas, si par exemple on est à la fin du niveau 27 et que dans la prochaine vidéo, si on passe niveau 28, pourquoi j'ai pas envie de commencer une quête principale? Bah tout simplement parce que j'ai pas envie que ça vous coupe dans l'élan. Et puis par exemple, s'il y en a parmi vous qui suivent que les quêtes principales, bah au moins ils savent que si à la fin de cette vidéo là, par exemple, je dis ça sera. Enfin, au début ou à la fin, je dis c'est quête principale, au moins vous savez que la semaine prochaine vous n'avez pas regardé et. Enfin, si, vous avez justement regardé. Mais si je vous dis la semaine prochaine ou en début de vidéo, c'est de la quête annexe, au moins vous êtes fixé, vous savez très bien qu'on va continuer. De toute façon, je vous invite à lire les descriptions à chaque fois, je précise si c'est de la quête annexe ou de la quête principale. Bon, on va essayer de les éliminer. Alors, avec sans l'harmonie, c'est un peu plus long, mais tout à fait faisable également. Là, j'ai bien fait de le changer parce que l'autre, là, en bouclier et tout, je pense qu'il aurait été extrêmement chiant à éliminer sans... Enfin, justement, avec mon arme, parce que, bon, bah, elle aurait été cool, mais elle m'aurait également fait moins de vie. Ça aurait été chiant. Par contre, eux, en cheval, sont vraiment agaçants. L'avantage, c'est que je suis à l'arme, du coup, ça les énerve aussi. Ah, j'ai plus de flèches. Haha, super. Bon, bah, tant pis. Donc là, avec les coups qu'on va mettre, leurs chevaux vont pas faire long. Allez. Ok, c'est pas grave. Toi, viens là. Ça, c'est vraiment chiant parce qu'ils font que des allers-retours et tout pour nous mettre des coups. Et c'est vraiment horrible à viser. C'est logique, hein, c'est logique qu'ils fassent ça, mais c'est vraiment horrible. Bon, lui, il est éliminé et il en reste encore. Voilà. Il me restait une flèche. Et elle était directe dans son cœur. J'en ai rechopé 19 derrière des flèches, c'est cool ça. Oula! Je me disais pourquoi tout le monde se barre, mais ok, je comprends mieux. C'est bon, là, je t'ai couvert. Encore? Bon, on est parti. Non, je croyais que t'allais prendre un cheval, mais non, apparemment ça t'embête. Ah, j'aurais bien aimé avoir d'autres flèches, moi. On doit être bientôt arrivé. Il y avait quand même pas mal de gardes, hein. Je pensais pas que ça allait être un truc comme ça, mais il y en avait quand même pas mal. C'est parti. Nec, il m'échappe encore une fois. Que faut-il faire? Réfléchissant, nous avons là une occasion unique de faire d'une pierre deux coups. Nous allons attendre le retour de Deratos au campement. J'ai appris que son scribe personnel était resté en arrière à Karanis. Si l'un de nous montre son nez là-bas, il sera repéré. Toi, ils ne te connaissent pas. Alors ramène-nous le scribe. Il nous dira ce que nous voulons savoir. Comment le trouver? La nuit, il dort dans la cour. Pendant la journée, il travaille quelque part dans le temple, ou sur la terrasse qui surplombe le lac. Il est habillé avec élégance, et depuis l'échec de notre attaque, des gardes l'accompagnent. Tu ne peux pas le rater. Ok, on va faire ça. Alors, on va reprendre le dada, parce que là, je pense qu'il y a moyen de se téléporter, mais ça va être beaucoup trop long. Alors, le scribe est accompagné de deux gardes du corps, la nuit se repose dans le cours à l'extérieur du Sarapin. Du Sarapeillon, purée, j'y arrive même pas. Le jour, il travaille au Sarapeillon. Ok. Et ben, on va y aller. On est deux jours, mais c'est pas grave. Je pense que ça peut être faisable. Ah oui, je me suis pas téléporté parce que bah c'est juste à côté. Et du coup, le temps de chargement va être aussi long que si je vais à cheval. Alors, on gagne, c'est sûr, par téléportation, on gagne du temps, je pense. Même si c'est juste à côté. Mais bon, ça m'embêtait de faire. De me téléporter et voilà, au lieu d'appeler le cheval, là c'est juste à côté, donc ça sert pas vraiment à grand chose. J'espère qu'on peut passer par les marches, ça ferait gagner du temps et j'aimerais bien trouver des flèches aussi, mais bon, je pense qu'il faut pas trop en demander parce que j'en vois pas là, j'en vois pas sur le côté ou quoi que ce soit. Donc bon, je pense que ça se fera sans flèches, même si j'en aurais bien aimé, et tant pis, on verra ça plus tard. Alors, c'est nous, un peu plus à gauche, ok. Est-ce qu'on peut passer de l'autre côté? Oui, ça a l'air d'être bon pour le dada. Hop, on va descendre et on va aller essayer de voir où c'est qu'il est. Est-il vraiment nécessaire de me suivre partout? Ce sont les ordres du général. Alors, il y a les deux gardes là, je sais pas s'il faut les tuer ou pas. Dans le doute, je vais juste faire ça. Je ne risque rien. On va voir si ça marche ou pas, je pense pas. Ah si, on peut barrer comme ça, impeccable. Génial, je pensais pas du tout, mais c'est nickel. Au moins, on est tranquille. Hop, je vais le déposer là-dessus. Et on va se barrer. Alors franchement, je pensais pas que ça le ferait. Je pensais que, par exemple, grimper, même la petite portion qu'il y avait à grimper, je pensais que ça allait pas le faire, mais si. Du coup, c'est génial, on peut se barrer directement et rejoindre donc Deratos qui est là-bas. Et on va être tranquille.
Et bah franchement ça s'est plutôt bien fait, je pensais pas du tout. Je sais pas si de nuit ça aurait été plus facile ou quoi. Parce que sur un balcon ça doit être plus chiant je pense. Là vu qu'il était déjà par terre, bon mais juste le petit truc à passer, mais apparemment ça l'a fait, donc bah c'est nickel, ça permet de terminer la quête déjà. Enfin de terminer la quête. En tout cas de l'amener. Parce que je sais pas vraiment si la quête sera terminée avec ça, mais en tout cas tant mieux. Je suis assez content que ça soit passé comme ça et c'est nickel. Bon. Derato est assez loin quand même, enfin plutôt il est assez loin de la quête, mais en vrai il est plutôt près de la ville, donc c'est même un peu pas débile, mais c'est chaud quand même de faire un plan juste au pied de la porte quoi. Hop, hop, là, le cheval il commence à. Il buguait un peu enfin, à cause des obstacles qu'il y avait sur le terrain, mais c'est pas grave. Hop, non, c'est pas du tout ça que je voulais faire, je voulais juste descendre, le porter et le déposer. Hop, merde, non! Ah, il est logique, le cheval il est juste là, alors bon. Ah, merde! On va s'éloigner un peu. Là, ça devrait être bon, je pense. Ouais. Bon, là, on va passer le dialogue. Quête terminée, 2250. Bon, bah, c'est nickel. Par contre, je sais pas s'il faut continuer ou pas la quête, non. Bon, on a encore, on n'a pas encore assez d'exp, donc on va essayer de trouver une nouvelle quête. Alors, j'ai vu qu'il y en avait là-haut. Ok, niveau 23, bon, c'est toujours ça. Et il n'y a pas moyen de citer les portées. Donc, on va devoir appeler le cheval. Oh, il était juste derrière, donc c'est pas grave. Et on va y aller directement. Bon, bah, je pense que la semaine prochaine, là, c'est sûr et certain, ça sera encore de la quête annexe. Je suis vraiment désolé, mais là, bah, on n'a pas vraiment le choix. Je vais regarder vite fait hein, quand même dans les quêtes par exemple pour vous montrer. Les quêtes principales, vous voyez qu'elles sont. Ah non, elles sont. Eh ben non, bah, la semaine prochaine, vous savez quoi, ça sera quête principale. Là pour aujourd'hui, on finit ça et la semaine prochaine, ça sera quête principale. Vu qu'apparemment, on peut déjà attaquer. Et je commence à avoir un petit peu marre des quêtes annexes. Pas que ça m'embête de les faire, mais ça m'embête surtout pour vous de ne pas pouvoir vous montrer des quêtes principales. Parce que là, ça doit faire au moins la troisième vidéo qu'on fait de la quête annexe. Donc bon. J'aimerais bien passer un peu aux quêtes principales, donc la semaine prochaine c'est décidé, on continuera les quêtes principales, même si on n'a pas encore le niveau, on est à la fin de la barre de l'ex, donc juste au début d'émission, je pense que ça se fera assez facilement pour atteindre justement les pourcentages manquants par rapport à notre barre d'expérience. Je vais quand même prendre la quête annexe parce que même si là pour le coup on fera de la quête principale plus tard, ça reste quand même assez intéressant de prendre une quête annexe pour les missions plus tard. Les missions qui vont venir. Hop là, on va monter par là. Je sais que le cheval peut pas trop accéder par là parce que c'est assez bizarre comme lieu. Donc, je vais essayer de faire comme ça, même si c'est assez chiant. Hop, vous voyez que le cheval là, il aurait pas du tout pu passer. Pas du tout. Il y a sûrement un chemin hein, pour qu'il puisse passer, mais la flemme quoi. Hop, voilà. Bon, on arrive dans cet endroit un peu bizarre. J'aime beaucoup cette ville, enfin cette ville, cette atmosphère qu'elle a, mais c'est un peu space. Je sais pas pourquoi j'aime bien cette ville-là. Mais après Memphis ou même Alexandria, mais elle, je sais pas, elle se détache un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et je trouve ça plutôt bien. Bon, on va parler à cette dame. Je pense qu'il y a une cinématique qui va se lancer. Oh, vu le fondu en noir. Tu dois être très courageux ou très stupide pour mettre les pieds ici. Les Fertari, c'est toi. Accepte mes humbles bénédictions. C'était la femme de Rudjek. Tu t'attendais à un chaleureux accueil? Allez, par ici, Bayek. Et apporte donc tes 1000 bénédictions. Tu en auras besoin. Le coup de pied dans les balls qui fait mal. Donc on va faire... Ah purée, je me gourre à chaque fois, j'ai vraiment du mal. J'ai fait la touche back au lieu de la touche start, bon c'est pas grave. De toute façon je pense qu'on va se quitter, j'attends juste voilà, de faire ça et on va la suivre. Mais en attendant moi je vais vous laisser. Donc les amis j'espère que cet épisode d'aujourd'hui vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Donc dimanche prochain on se retrouvera pour une nouvelle vidéo sur Sonic Mania. Un jeu que j'ai totalement adoré, mais vous verrez ça dans la vidéo qui arrivera. Et mercredi prochain, donc ça sera une nouvelle vidéo, enfin un nouvel épisode même, de nos aventures sur Assassin's Creed Origins. Mais cette fois-ci,
Nous nous attaquerons donc aux quêtes principales, nous essayerons de continuer. Je pense qu'on fera surtout celle d'Aya, qui peut être assez sympa de voir. Mais voilà, on va continuer donc les quêtes principales la semaine prochaine. Et puis on suivra cette petite demoiselle du nom de Nefertari beaucoup plus tard. Là, je la suis juste comme ça, mais je sais qu'il y a énormément loin à marcher. Donc bon. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner pour ne pas rater la vidéo des dimanches prochains ou même de plus tard, de mercredi, tout à l'épisode, etc. En attendant, moi je vous dis geek et bien, c'était Shadow Nightmare, à la prochaine vidéo. Salut tout le monde.